Mardi 28 décembre 2021, bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Les jeunes se mettent de plus en plus au service de leur communauté à travers le volontariat. Un sacerdoce qui présente beaucoup d'avantages. Les expériences de quelques volontaires dans le magazine à suivre en début d'édition. Débat sur la loi numéro 2021-16 du 23 décembre 2021 portant loi des finances exercice 2022. Adopté par le président Patrice Talon, les analyses de quelques acteurs à suivre. Et en fin d'édition, vous suivrez le magazine de Aziz Adam Soulé sur la liquidation des produits en fin d'année. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Nombreux sont les jeunes béninois qui volontiers se mettent au service de leurs communautés respectives. Pour les quelques bénévoles rencontrés par notre rédaction, la tâche n'est pas du tout facile. Ils avouent gagner tout de même en expérience. Nous vous invitons à suivre cette fois-ci l'intégralité du magazine présenté par Nafissa Touassani. Artemis Aiko, jeune volontaire, s'est engagé depuis 3 ans à résoudre les problèmes qui affectent les communautés. Quand j'ai fini ma formation à l'université, j'ai eu d'autres parcours, etc. À un moment donné, je me suis retrouvée à la maison et j'ai appris que l'université faisait un recrutement par rapport au service des volontaires de l'UAC. C'était en 2018 et j'ai postulé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous apprend à l'université ou tout ce qu'on a fait par le passé au collège et autres. C'est toute une autre réalité. À travers le volontariat, les jeunes contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de leur cité. Il est non seulement bénéfique pour les citoyens, mais aussi et surtout pour ceux qui s'y adonnent. Grâce à la formation que j'ai reçue lors des services de volontariat, donc ces formations m'ont permis aujourd'hui, à la fin de la formation, de pouvoir continuer à me battre, à persévérer et surtout à créer mon entreprise. Je crois que quand vous restez dans le système de volontariat, vous constatez même que vous gagnez plus que ceux qui pensent qu'en faisant ceci, ils sont en train de gagner de l'argent. Parce qu'à partir donc du volontariat, vous subissez, on vous forme. On vous donne des communications sur le leadership, sur l'autonomie, sur la ponctualité, sur les habitudes qui conviennent, qui font le développement, sur un certain nombre d'aspects que peut-être, je peux dire comme ça, notre éducation sociale, même au cours des formations, ne nous donne pas souvent. Le volontariat ou le bénévolat, plus que concept, est devenu une activité indispensable au point où l'ONU souhaiterait voir les sociétés et le gouvernement reconnaître et promouvoir le volontariat. Dans ce journal, débat sur la loi numéro 2021-16 du 23 décembre 2021 portant loi de finances exercice 2022 promulguée par le président de la République, son excellence Patrice Talon. La promotion du Bénin à la tête de l'espace UEMOA, ce sont entre autres sujets débattus sur le grand soir de ce lundi 27 décembre 2021 par les invités de Stanislas Benoukouamoua. On suit le compte rendu. De nouvelles ambitions et de gros projets pour le quotidien des Béninois. Le gouvernement s'en préoccupe. La loi de finances pour la gestion 2022 a été promulguée par l'Assemblée nationale. Les chroniqueurs sur la rubrique « Ça se discute » du Grand Soir ont opiné sur le sujet. Il y a quand même une corrélation entre ce qui est annoncé et par exemple le programme d'action du gouvernement. Évidemment, la part de 2022 à corréler aussi avec tout ce qui est prévu jusqu'en 2026. Donc évidemment, il y a de gros projets, de gros investissements qui sont attendus pour ce budget-ci. Je crois qu'on tourne autour de 800 milliards d'investissements en termes de mobilisation de ressources internes également et de ressources externes, de ce qui est fait, mis en œuvre pour que les régies financières soient les plus performantes possibles. Oui, on peut dire que c'est un budget qui et à la hauteur des ambitions de ce gouvernement. Quand vous avez des ambitions, il faut vous donner les moyens de pouvoir réaliser. Parce que, qui vous souvienne qu'on a dit, le deuxième mandat sera hautement social. Donc, de 2021 à 2026, il n'y a que dans l'amélioration des conditions de vie
et de travail de nos compatriotes, le gouvernement a fait sa part. Pour sa bonne conduite dans l'utilisation des services financiers, le Bénin vient d'être élu premier au sein de l'espace UEMOA. Une performance reconnue et saluée à sa juste valeur. Je ne connais pas la grille d'évaluation. Mais je dis mais bravo. Si ce plan-là, le Bénin est premier, je dis bravo. Je dis quand mon pays fait des progrès et que sur le plan régional ou sous-régional ou international, le Bénin est encouragé. Nous sommes fiers que les compétences de nos compatriotes se soient reconnues. Il y a beaucoup de bénéfices que l'État, en tout cas la collectivité entière, il a encouragé que nous poursuivions nos efforts pour que le taux de bancarisation soit un peu plus important. Et ça amène une fluidité, une lisibilité dans le du système financier et ça permet à toutes les structures de l'État de pouvoir travailler en symbiose. On sait à peu près combien vous gagnez, donc ça permet aussi de lutter contre la corruption parce que on peut croiser vos déclarations d'avoir avec ce que vous avez en compte bancaire, on peut regarder un peu tout ça et assainir le système. L'autre sujet abordé sur le plateau est relatif au décès du monseigneur Desmond Tutu, parti à l'âge de 90 ans. L'homme de Dieu est reconnu pour sa lutte contre l'apartheid et la réconciliation des peuples sud-africains. C'est un compte-rendu proposé par Cédric Sosso-Agbo. Ce journal se poursuit. Dans le décryptage de ce dimanche 26 décembre 2021, le consultant politique Agapit Napoléon Maforika est revenu sur le rapport 2020-2021 de la Commission béninoise des droits de l'homme. Un rapport qui renseigne bien évidemment sur l'état des droits de l'homme au Bénin. On suit la quintessence de son intervention dans ce compte-rendu que nous propose Stélia Padono. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforikan salue l'élaboration du rapport 2020-2021 relatif à l'état des droits de l'homme au Bénin par la Commission béninoise des droits de l'homme. Pour lui, il vient ouvrir le champ des débats et analyses sur la question. Il déplore tout de même certains constats et conclusions de la structure étatique, notamment la gestion de la COVID-19 et des violences électorales enregistrées dans le cadre des élections présidentielles. Selon le consultant, les réalités du pays n'ont pas été prises en compte à tous les niveaux. Faire le corps de sanité en quoi c'est le droit de l'homme qui est bafoué. Lorsque on maintient l'école ouverte, alors que tout le monde voudrait qu'on ferme l'école, où l'État déploie des moyens, livre des masques, et on me dit que les droits, c'est qu'il n'y a pas eu proportionnalité par-ci. Je trouve qu'il y a abus dans le cas d'espèce. Il y a nettement un objectif à atteindre, c'est d'aller dans le schéma général, de montrer qu'au Bénin, les droits civils et politiques sont bafoués. Ça là, il est évident que ce rapport-là, volontairement ou involontairement, les rédacteurs sont allés dans ce sens-là. Ils n'ont pas inventé des faits, ils les ont mal ordonnés, à dessein. C'est des sachants, ils savent. C'est pas des petites gens. Pour le consultant politique, la CBDH devrait mieux enquêter et proposer des recommandations en vue de régler la question d'accès équitable et égal des partis aux médias. Si vous restez dans vos buts, vous ne voulez rien faire, vous restez là, on vous invite, vous ne voulez pas parler. Vous renvoyez, vous parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là et vous préférez aller. Le monologue dont parle le rapport est un monologue général dans le pays. Au contraire, la Commission des droits de l'homme devrait pouvoir attaquer cette rétention de l'information de la part de ceux qui les détiennent. Ils devraient livrer l'information aux populations, expliquer leur politique. Lorsqu'il y a une campagne, lorsqu'il y a une situation, on n'entend personne. Agapit Napoléon Maforikan a martelé la nécessité de contextualiser les faits avant de quelconques analyses et conclusions. Sur le sujet, il conclut que le respect des droits de l'homme doit être une quête permanente. Vous ne pouvez pas vous rendre indépendant là où vous n'êtes pas indépendant. Faites votre travail. Faites votre travail de quoi ? Posez les problématiques. Aidez l'État à améliorer ses prestations en matière des droits de l'homme. Tout rapport qu'on peut produire sur une certaine situation doit tenir compte de notre environnement d'aujourd'hui. Mais ne doit pas perdre de vue l'autus et d'où nous venons. C'est important. Essayons, quand nous sommes là où on est, essayons de travailler à éclairer l'opinion publique. Notre niveau de développement, de conception de la chose qui n'est pas les nôtres,
est complète. Pour ce qui est de la nouvelle sortie du juge Batamonsi, qui estime une fois encore que pression est faite sur les juges de la Criette, le consultant politique a laissé entendre que chacun est libre d'exercer sa profession et de ne céder à aucune manipulation. C'est un juge de siège, c'est pas un juge de parquet. On ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas mis sous rigueur. Il n'a pas eu de sanctions. Il peut ne pas suivre les instructions. Et il peut partir et parler. Rien que ça montre qu'il dit pas vrai. Si en tant que juge de siège, tu te laisses dicter des injonctions, ça c'est toi. Si tu livres, tu te livres, c'est toi. On a connu des juges dans ce pays qui ont dénoncé leur ministre et qui n'ont pas démissionné. Un juge de siège qui fuit alors qu'on ne le pourchasse pas. On lui a rien, on n'a mis rien derrière lui. Et qui dit, qui commence à parler dehors, moi je mets un doute sur sa personnalité, sur son honorabilité. Je dis, je mets un doute, moi je ne dis rien, mais j'ai le droit de douter aussi. C'est ça. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Encore quelques jours et nous allons tourner définitivement les pages de l'année 2021. Mais avant, il n'est pas rare de constater en cette période de fin d'année que certains commerçants déversent des produits prohibés sur le marché, mettant ainsi la santé des populations en danger. Le fait est décrié sur le plateau du Grand Déballage. Le compte rendu avec Aziz Adam Soulé. Des produits ou denrées alimentaires impropres à la consommation, mais déversés le plus souvent sur le marché à l'approche des fêtes de fin d'année. Les commerçants véreux empruntent généralement le terme de liquidation pour masquer leur manège. C'est bien vrai qu'à l'approche de la fin d'année, plusieurs sous l'empreinte du thème liquidation vendent des produits périmés. Et déjà, c'est quelque chose à déplorer, puisque déjà ça va à l'encontre des mœurs de la santé. Nous veillons particulièrement à cela, d'abord dans l'achat des produits. Déjà, jusqu'à une certaine période de l'année, nous évitons l'achat des produits qui vont déjà qui sont déjà proches de la date d'expiration, afin de ne pas avoir ces problèmes-là. Ça, c'est un phénomène qui se passe chaque année. Et aussi, comme les Béninois aussi aiment le moins cher, donc à la fin de l'année, ils se déversent sur le marché les liquidants à vil prix. En fait, les marchandises viennent, ça n'attend pas, ça coule en même temps. Donc, on ne peut pas dire qu'il y aura des produits qui sont là, stockés. Vous comprenez ce que je dis pour les fins d'année. Donc, ça vient, en même temps, ça part. Ces faits sont réels et c'est des situations que nous constatons dans le marché souvent. Mais on travaille à remédier à ce genre de choses. La direction départementale du commerce vient souvent nous visiter et il vérifie ce que nous avons comme produit, nos stocks. C'est des choses que nous déplorons. C'est l'occasion d'attirer l'attention de nos clients parce qu'il y a la fête, parce qu'il y a des produits qui coûtent moins cher comme par rapport à ce que ça coûte d'habitude et qu'ils fassent beaucoup attention quand on leur présente des produits qui sont moins chers. Le premier réflexe en fait qu'ils doivent avoir, c'est de regarder la date de péremption. Est-ce que c'est bien inscrit? Est-ce que ce n'est pas effacé par hasard? Donc j'appelle à leur vigilance, j'en appelle à leur vigilance. Il y a beaucoup de raisons qui cachent parce que vous allez voir, c'est un produit qui coule périodiquement, surtout par exemple en fin d'année. Les bonnes dames achètent en quantité et ils stockent. Et chaque année, ils ressortent les mêmes produits de l'année dernière. Lorsqu'on sort les produits de l'année dernière, il faut vite écouler ces produits pour pouvoir acheter ceux qui sont sortis nouvellement. C'est ce qui fait que beaucoup, pour ne pas perdre, sinon si elle ne vend pas et que ça se gâte, elle va perdre. Parfois, le panier de la ménagère. Parce que le prix est tellement bas qu'on se dit on peut jongler. Le prix est tellement bas qu'on se dit on va faire ça une seule fois. De toutes les façons, demain ce ne serait pas ça. Et une seule fois n'est pas tuant. Or, c'est une seule fois n'est pas tuant là qu'on est en train de faire petit à petit et ça cause la maladie. Il faut œuvrer à avoir une alimentation saine. Et pour avoir une alimentation saine, la population est donc appelée à redoubler de vigilance vis-à-vis de ces derniers. Moi, je les appelle les vendeurs de la mort parce que le produit prohibé donne une mort lente à ceux qui consomment ces produits. Chaque fois que moi je viens au marché avant d'acheter un produit, je contrôle la date de péremption avant d'acheter parce que tous les commerçants ne sont pas des lettrés. Il y a certains qui vont acheter des produits comme ça et amener ça sur le marché et vendre ça à moins cher parce qu'ils ont trouvé ça moins cher, ils vendent à moins cher. Mais quand vous qui venez acheter, consommateur que vous êtes, que vous voulez acheter, et que vous regardez tout ce que vous voulez acheter, vous regardez les dates de péremption de tous ces produits avant de l'acheter. Je contrôle.
la date de péremption. Que ce soit la boisson, que ce soit biscuit ou autre. Ce comportement, non, ça là, c'est pas bien. Ça, c'est de rendre volontairement la ressource humaine malade. Les conséquences là sont très très lourdes. J'invite l'État à prendre ses responsabilités. Au-delà des descentes inopinées qui se font sur le terrain, la veille doit être permanente afin de sauvegarder son bien-être. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tich Ronsard. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETL en direct, notre compte Twitter ETL Live, notre chaîne YouTube ETL Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETL Bénin. ETL avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.